Yo tout le monde, on est parti pour les récompenses Foot Champions. On a fait rang 5, donc c'est 9 victoires sur 15 rencontres. Donc c'est un premier Foot Champ. On essaie de s'habituer au jeu, mais le jeu, il est assez compliqué, notamment dans le gameplay, qu'est-ce que c'est avec les 5 défenseurs, les speed boosts ou encore la def auto. On a quand même des récompenses qui sont plutôt acceptables. Un 10-82, un pack hero 87 max, un joueur Team of the Week, un 15-80+, et un joueur rare 87+, en plus des 45 000 crédits. On est parti pour aller ouvrir ces récompenses Foot Champions avec ce rang 5. On a 128 000 crédits. Je vous montrerai l'équipe après les récompenses et on pourra faire un point par rapport aux joueurs qu'on a packés. Et je pense qu'on va partir sur le premier pack qui sera ici, le pack 15 éléments joueur or rare 80+. C'est parti. Allez, on espère avoir quelque chose de bien dans ce pack. Là, il n'y a pas d'animation. Milieu gauche, je pense que c'est Kostic. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est Kostic. Il joue Fenerbahçe. Oui, non, c'est Dusan Tadic. Ok, 83 dans un casque 80+. Pas ouf, c'est pas ouf du tout. Kovacic, Di Lorenzo, ouais, non. C'est pas ouf du tout. Et ça, on va tranquillement le mettre sur la liste des transferts. De même pour Cristante. Et ça va être de la nouvelle fonctionnalité. La pile pour les doublons, pour les SBC. On a ouvert le premier pack, c'était pas fou. On va aller ouvrir maintenant le pack Team of the Week avec le joueur Team of the Week. On espère avoir quelque chose de bien. C'est lui, ouais, Brian 81. C'est pas folichon. C'est pas folichon. C'est vendable. Ah non, il y a quand même des belles stats, André. Il vaut combien? Ouais, non, il vaut pas grand-chose. Il vaut pas grand-chose. On va le mettre directement dans le club, l'Espagnol. Non, c'est pas fou. On va partir sur le pack 10-82+. On espère packer quelque chose de bien dedans, que ce soit un joueur Ligue des Champions ou un joueur Team of the Week ou Heroes. Ça pourrait être pas mal du tout. Ben non, il n'y a pas d'anime, il n'y a pas d'animation. Défenseur droit anglais, première ligue, qui ça pourrait être? Qui ça pourrait être? Arsenal, je pense que c'est Ben White. Je pense que c'est Ben White. Oui, Ben White, 84. C'est pas fou. Dans un kit 10-82+, on aurait pu avoir quelque chose de mieux. Et derrière, on a De Paul. Rodrigo De Paul, c'est pas mal du tout. Il y a des belles stats, l'Argentin. On a Williams, je pense qu'il peut être pas mal du tout. Sinon, après le reste, c'est pas folichon. Kovacic, on va le mettre sur les transferts. De même pour José Gaya. Pour le moment, les récompenses, elles sont assez mauvaises. On va voir ce que ça va donner pour la suite. On est parti pour le pack héros de base solo 87 max. Celui-là, on espère avoir un bon joueur. Allez, Ié, donnez-nous un bon joueur. Allez, donnez-nous un bon joueur, Ié. Buteur anglais, ouais, c'est Peter Crouch. C'est Peter Crouch. Oh là 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 là. Peter Crouch. Bon, c'est pas le meilleur héros, quoi. On va pas se mentir. Il est un peu lent. Après, sur corner, il pourrait être très très fort. Mais si on regarde, c'est ça, toi. Non, c'est pas fou du tout. C'est pas fou du tout, Peter Crouch. On va le garder dans le club, le joueur anglais. On est parti pour le dernier pack. Le pack élément joueur or rare 87 puces, on espère pas qu'il y ait du lourd. Allez. Ah mais évidemment, c'est une animation. Et c'est un gardien. Oh là là, il nous donne un gardien. On sait très bien que c'est Yano Black. Il nous donne un gardien dans le dernier pack. Franchement, les récompenses, elles ont été plus que mitigées. Mais bon, on va aller regarder l'équipe, les gars. Donc voici l'équipe actuelle. N'hésitez pas à me donner vos recommandations d'amélioration qu'on peut avoir, notamment pourquoi pas un nouveau milieu de terrain ou un nouveau attaquant pour remplacer Merino et Christopher Nkunku et pourquoi pas Colomoni en pointe de l'attaque sur le banc. J'ai ça. Donc n'hésitez pas à me donner des suggestions. On a 128 000 crédits. On est plutôt pas mal. Et donc voilà. Voilà, c'était les récompenses Foot Champions. C'était pas foufou, hein. Pour moi, franchement, c'était pas foufou. Après, j'ai fait que rang 5. Je pense que si j'aurais fait au moins 11 wins, ça aurait été mieux. Mais bon. Voilà. C'était Fimbu. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao!